Attends, ministre de la Santé, l'âge du lest, afin de faire adopter d'ici Noël son projet de loi mammouth, Alain a déposé deux gros amendements aujourd'hui. Ouais. ce qu'on sait, c'est Christian Dubé. Son objectif, c'est euh, de pouvoir mettre en place Santé Québec six mois après avoir trouvé le nouveau euh, PDG. Et aujourd'hui, entre autres, il a euh, augmenté le nombre de conventions collectives. On savait que ça devait passer de 140 à 4. Maintenant, ça sera 6. Il y aura une convention collective spécifique pour les préposer aux bénéficiaires. Mais euh, le gros changement, Sophie, c'est la date de fusion des établissements qui ne sera pas la même que la date de fusion de toutes les conventions collectives et Christian Dubé reste confiant de pouvoir faire adopter son projet de loi d'ici Noël, écoutez-le. a 1200 articles c'est très costaud, on refait la loi de la santé, c'est pour ça que j'ai accepté qu'on le fasse sur une si longue période. Rappelez-vous, on a déposé le projet de loi en mars. On a commencé à le faire au mois d'avril, mais on a arrêté pour l'été, on est revenu deux semaines plus tôt. Là, ça fait trois mois qu'on est là-dedans en plein, puis il nous reste encore deux grosses semaines intensives à faire. Les oppositions semblent bousculer. Il y a 210 heures de fait, on a adopté plus de 610 articles hum. sur 1200, mais ce qu'on craint, c'est le baillon. Écoutez-les. Il nous reste beaucoup de travail à faire. Il reste les relations de travail. Ça va prendre énormément de temps. Il reste les dispositions transitoires sur quand est-ce que Santé Québec commence, quand est-ce que les fusions se font, quand est-ce que les CA sont mises en place, quand est-ce que les conseils d'établissement sont mis en place. Bref, il reste énormément de travail de substance. Il reste tout le volet de la gestion des assurances, des sanctions administratives, en plus d'une série d'articles qui sont suspendus parce que c'est pas rare que le ministre, devant certaines interrogations, décide de suspendre un article puis on y reviendra. Quelques semaines après. Bref, aujourd'hui, je demande un engagement formel du ministre de nous permettre de faire notre travail de législateur jusqu'au bout, sans imposer de bâillon. C'est ça le risque, d'ailleurs, du, du bâillon. Hein? Vous savez que s'il nous reste cinq ou 600 articles à adopter dans le cadre d'un bâillon, le gouvernement peut passer absolument n'importe quoi, sans débat, sans justification, sans argumentaire. C'est ça qu'on craint. Trois jours cette semaine, quatre jours la semaine prochaine. Ensuite, en principe, c'est terminé. Merci beaucoup, Alain. C'est pas beaucoup.